Voilà, enfin la vidéo de ta présentation de tes véhicules que tu vas recevoir parce que Mika va recevoir deux véhicules, va recevoir, a acheté deux nouveaux véhicules, dont le premier, donc le Python largement modifié pour qu'il soit fiable. Honnêtement, c'est une bonne bête, tu le gardes en 4S. Voilà, une bonne petite bête à faire, du bâche tranquille. Voilà, franchement, en 4S, c'est un bon modèle, faut être honnête. Il a reçu les tourelles avant et arrière de carbone de RC by G. Il a reçu les cales, les options 2021. Donc, la cale ici en alu sur le triangle supérieur. Il a reçu les cales avant. Arrière et arrière avant en alu 70-75. Il a reçu la barre d'Ackermann faite par RC by G en carbone 4 mm, mes amis. Normalement, ça doit tenir. Ensuite, à l'arrière, on a les cales carbone de RC by G également. Niveau électronique, on a un servo alors pas plus rapide, hein, 30 kg. Sous 7,4 volts, parce que le max 8 donne 7,4 volts. On a le Vario d'origine, le combo d'origine. Et là, c'est juste pour te montrer que tout fonctionne. Donc, tac, j'enlève. Je n'ai pas oublié d'enlever mon récepteur. Et la lipo, ça, c'est spécialiste. Donc, le ventilo également sur le monteur. Ouais, ça turbine en 7,4. Hein. Voilà, donc ça. Tout fonctionne, tu régleras bien les butées avant-arrière parce que pour pas forcer trop sur le cerveau avec ta voiture. Et puis 4S pignon de 17, un peu plus que le 16. Le 16 suffit pour les petits espaces. Moi, sur un peut-être gros espace 17, c'est pour ça que je t'ai mis. Ça ira bien. N'oublie pas de faire le neutre également quand vous achetez des modèles sans la radio avec. N'oubliez pas de faire le neutre de vos variateurs, n'est-ce pas, monsieur RC Apache? Alors, ensuite, avec, donc on a bien sûr tout ça, on a utilisé quoi? Voilà, on a tout ça, tic. Alors, avec, on a 4 pneus d'origine, parce qu'ici on a les HRC 6S de chez Hervé, donc de Team Magic, HRC 6S, 18 € la paire. Franchement, jante un peu raide, mais pas mal. 4 pneus piste pour si tu veux la mettre en mode F1. Pour ça, je te laisse le kit F1, donc le long, la moustache et le pignon 23 pour t'éclater. Essaye en 6S, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer. En 4S, pinot 23, j'étais à 93, je crois 95. Tu as dépassé les 100 en 6S. Si une fois tu as envie de te faire plaisir, n'hésite pas. Ensuite, avec, tu as les quatre ressorts d'origine. Ici, c'est que des ressorts Timasso qui me conviennent. Tu as ensuite des cales pour les triangles. Tu as un renfort V1 si jamais le V2 qui a été installé ne fonctionne pas. Tu as en neuf une fusée à rotule, c'est important parce que c'est un des points faibles. Deuxième fusée, un des points faibles, des fois ça se développe, et quand ça se développe trop souvent, troisième fusée, et ben avec ça mon kiki, t'es tranquille, on voit bien ce qui va pas. C'est la seule faiblesse de ce 4S, c'est ça. Alors moi, si je peux vous conseiller, achetez un Radix 4S directement. C'est les mêmes caisses, donc voilà. Tu as les supports, des supports de barre anti-roulis. Tu as l'aileron V2 que j'ai pas encore, le support aileron V2 que j'ai pas encore monté. Tu as toutes les noix neuves, parce que celles-ci sont encore celles d'origine. Et en 4S, encore une fois, il n'y a aucun problème d'usure particulier. En tout cas, avec mon pilotage, encore une fois, si vous faites tous des couillous, si vous faites. C'est sûr! Faudra un peu de doigté, messieurs, avant de critiquer. Donc, les cales d'origine, donc en alu, des triangles, des axes de triangle, et puis toutes les pièces d'essai carbone, donc là encore une noix. Tu as les liens en composite ici si tu veux tester
Si tu veux tester, moi j'ai laissé les liens comme ça, parfois inversés, parce que j'aime bien un peu régler ma géométrie. Et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de faiblesse particulière non plus, enfin moi j'ai remarqué, à mon niveau. Mais si tu veux, tu peux mettre les liens composites. Le seul problème, c'est que j'ai l'impression que ça donne un peu un peu bizarre les angles. Bref, bon. Moi j'ai remis ces origines, voilà. Je te mets ça dessus. Tu as bien sûr les tourelles d'origine. Les tourelles d'origine. Le support carreau, encore du V2 qui n'est pas monté. Une biellette si jamais. Et puis tu as la barre d'acquérement de 70-75 pliée aussi, donc là j'ai laissé le carbone et le carbone ne bouge plus. Et différentes cales, contre-cales, à tester, voir si ça fonctionne. Diverses choses à essayer, diverses tailles d'acquérement, d'épaisseur. Tout ça, tu peux voir avec RC Balji si tu as des soucis de casse. Si une fois tu la casses, il peut t'en refaire, il a les plans. On avait vu ça ensemble, il a fait ça aussi pour le craton de Monsieur Manille. Donc voilà, le support carreau également d'origine. Donc tout ça, c'est pour toi, mon ami, et la boîte d'origine. Oui, parce que Monsieur Mika, il adore avoir ses petits pots d'origine pour les exposer. Donc du coup, on va t'envoyer ça dans la boîte d'origine. Ça, c'est le premier. Oui, parce que Mika, voilà, on a fait un lot. On a fait un lot. Donc, du coup, hop, hop. Pour l'autre, il faut un peu de place aussi, quand même. Bon, je vais te mettre. Allez, et pour l'autre, oui, bah arrête de papoter, toi. Tac. Hein. Tac, tac, bougez pas, enlève pas les petites culottes, j'arrive. Tac, tac, tic, hop, hop, ça c'est bon également. Et donc l'autre c'est The Max. Et ouais, parce que du coup, comme je me suis fait le Obao Hyper MT 1,5 pour le pyro. Voilà, le max part aussi. Donc le max, je vous le présente rapidement. Kit One Max, vert, carbone cassal, les body. Vario d'origine. T'inquiète pas, c'est juste pour que je te montre que ça fonctionne. Après, je vais enlever mon récepteur pour pas que j'oublie. L'appareil pour la lipo. Hein. Variateur d'origine qui fonctionne très bien, celui-ci. Croisons les doigts. Moteur 40-76 2400 kW. Sur Passobi, franchement, ça fonctionne bien. En 4S, franchement, c'est une bonne petite bête. Le kit Polo Création. Donc, pour que la lumière fût. Donc, pour ça, pour que la lumière fût. Tac. Je crois que c'était sur celui-là. Aussi. Je crois, hein. Je te montre juste comment ça fonctionne. Donc, encore une fois, fonctionne parfaitement. N'oublie pas encore de faire ton autre Traxas. Hein. Tu vois, chez Mani ou chez n'importe qui, dans les vidéos, tout le monde, enfin, plein de gens le disent comment faire. Et donc, moi j'ai mis sur la voie 3 les lumières. Donc, voilà, le vert, le blanc, les deux, etc. Voilà, ça c'est tranquille. Le kit de indispensable option, hein, cardan métallique AliExpress fonctionne très très bien, aucun problème de ce côté-là. Ensuite, la rehausse pour les amorteaux pour avoir un peu plus de garde-sol vers le haut. Et franchement, il est moelleux. Regarde-moi ça. Il est moelleux. Et celui-là, je risque peut-être de l'entêter. Je te le dis tout de suite. Parce que, effectivement, dans cette configuration, on est quasiment indestructible.
Mais voilà, il faut faire un peu de place, voir un peu autre chose. Et puis j'espère que j'aurai autant de plaisir, enfin que Pierre aura autant de plaisir avec le groupe Pépère là-haut. Donc, hein, comme je te l'ai dit, en ce moment j'ai pas beaucoup de temps consacré à la RC. J'ai fait un nettoyage rapide. Il reste encore un peu de terre dans les endroits, voilà. J'ai tout lubrifié. Donc, hein, on est d'accord, hein, s'il y a un peu de terre, faut pas t'enfoncer. C'est que voilà, je te l'ai dit, j'ai pas trop eu le temps dans ce moment de m'occuper de mes RC. Donc j'ai fait les lavages, on va dire sympathiques, mais je suis pas allé à la brosse à dents partout. Voilà, au moins on est clair. Voilà. Écoute mon Mika, j'espère que tu vas adorer. Celui-là, je n'ai pas de doute. Vraiment. Ah, le Radix non plus. Et puis tu as pour le max une palanquée de pièces détachées. Donc un kit white en blanc. Un kit Kanzen tout complet, tu as un bulk à l'avant, un pare-choc, le kit max normal, des trucs inox qui ne servent à rien, mais au cas où si tu as besoin, ça peut servir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? T'as les cartons d'origine. Enfin voilà, t'as de quoi voir venir. De toute façon, comme ça ne casse pas, on est tranquille, hein, comme on dit. Voilà. Allez, salut!